froid, Nicolas. En fait, toi et moi, de la soirée, on se parle plus. De toi qui me parle pas. Nico, j'ai fait comprendre que je fais la gueule parce que je veux plus qu'il refasse ça ni avec Fidji ni avec une autre fille de la villa. Donc je marque un peu le coup. Mais bon, c'est difficile. Prends une décision, tu as 10 secondes. Non. D'un côté, je suis énervée parce qu'il m'a manqué de respect par rapport à Fidji. Mais de l'autre, j'ai quand même envie de lui faire un câlin parce que c'est très bien qu'il tourne autour de moi depuis tout à l'heure et qu'il a envie de revenir lui aussi. J'ai jamais dit que je te parlais pas. J'ai dit que je te boudais. Ah oui, mais t'as fini de bouder. C'est bon, j'ai fini de bouder. Peut-être que t'as... Deux secondes. J'ai fini de bouder. Ok. C'est bon. Tu me saoules. Jess, moi, c'est la fille avec qui j'ai envie d'être. Si je suis loin d'elle, je me sens pas bien. Donc là, on se fait un gros bisou d'amour. On est reparti pour elle. C'est un peu irréel, j'ai du mal encore à y croire, mais je suis très très bien avec Jess et j'ai envie de continuer un maximum à ses côtés et je suis peut-être en train de devenir un nouvel homme. On est réconciliés, c'est la fête du bisou, on se fait des câlins. Mais c'est vrai, je suis contente de retrouver Nicolas, mais moi quand je lui parle pas de quelques heures, ça me saoule, je l'aime bien et il me manque après.